Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12-13 Normand. L'actualité de ce vendredi 4 septembre, c'est d'abord cette initiative des chambres de commerce et d'industrie normandes mobilisées pour venir en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire. Elles sont entre 3 à 5 000 dans la région. Un plan d'accompagnement a été présenté ce matin. Les détails dans un instant. Une jauge limitée, des mesures sanitaires particulièrement encadrées. La Foire Expo a ouvert ses portes à Rouen ce matin. Un événement reporté plusieurs fois, mais qui se déroule finalement dans un protocole strict. Nous y serons dans un instant. Enfin, une année spéciale pour le cinéma et ses festivals. Celui de Cannes n'a pas pu se tenir et s'est invité à Deauville pour la 46e édition du Festival du cinéma américain. 100 films seront mis à l'honneur jusqu'au 13 septembre dans la station balnéaire normande. Nous y serons tous les jours et cela commence ce midi, vous le verrez. 100 milliards d'euros injectés sur 2 ans. Le gouvernement a détaillé hier son plan de relance de l'économie avec une priorité absolue, l'emploi. Engagement du Premier ministre Jean Castex. Dans la région, parallèlement, les CCI de Normandie poursuivent leur programme d'aide aux entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Elles ont lancé ce matin un dispositif spécial. Explication Grégory Tellu avec Stéphanie Pierson. Jusqu'à 70% de baisse d'activité dans l'événementiel et le tourisme, des projets freinés ou à l'arrêt un peu partout. Aucun secteur de l'économie régionale n'aura été épargné par la crise sanitaire. Selon la Chambre de commerce et d'industrie, 3000 à 5000 entreprises normandes devront surmonter ces prochains mois des difficultés de trésorerie. C'est pour leur venir en aide que les CCI de toute la Normandie ont lancé ce matin à l'unisson un nouveau dispositif. CCI Prévention, c'est son nom, permettra aux entreprises d'être accompagnées de manière confidentielle et individualisée. Un chef d'entreprise qui est en grande difficulté, il va pouvoir appeler la CCI, ça s'appelle CCI Prévention, à un numéro unique qui est le 02 32 100 900. Il va être tout de suite en contact avec un conseiller qui va pouvoir l'écouter et diligenter un genre d'observation à 360 degrés de son entreprise. Sur est-ce que c'est un problème commercial, parce qu'il n'a plus de carnet de commandes, est-ce que c'est un problème de trésorerie, avec des banques qui peuvent être un peu récalcitrantes, etc. Des chefs d'entreprise qui pourraient être ensuite dirigés vers des mandataires judiciaires, par exemple. L'objectif de ce dispositif est ainsi d'éviter l'isolement des patrons et d'agir quand le rebond économique est encore à portée de main. Elle devait avoir lieu en mars dernier.